Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Hein. Aujourd'hui, donc, nous sommes lundi 16 octobre 2023. Alors, voilà. Ça. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons faire une petite cartounette avec des chutes. Des chutes et avec ce qui traîne autour de notre bureau. Vous prenez ce qui traîne autour de votre bureau, vous faites une carte et puis c'est tout. Alors, donc, non, je vais faire une petite carte avec des chutes et puis ce que vous m'offrez surtout. Hein, tout simple, c'est tout, on va faire que ça. Hein, tranquille, tranquille. Il faut commencer en douceur la semaine, vous savez, parce qu'il va falloir la passer, la semaine. Donc, on a dit, hop là, le 16. Qu'est-ce qui se passe? Le bazar sur le bureau. Certes, bon, ça, d'accord, ok. Je n'ai rien rangé. Non, je n'ai rien rangé. Alors, n'exigeons pas des autres qu'ils fassent mieux que nous. La tâche devant laquelle nous avons reculé. Ça, c'est moi, ça. C'est... Je vous dis toujours de faire ce que je... Enfin, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, mais faites pas... Ouais, vous avez compris? Si, vous avez compris. Si, si, ben, c'est vrai, vous faites toujours mieux que moi. Hein? Si, ben, si on a... mais c'est pas parce que je recule. Hein? Ben non, n'importe quoi. N'importe quoi, hein? Ça. D'où ça sort? Étymologiquement parlant, de quel mot convient-il de rapprocher pote, le synonyme de copain? Ben, potiron, hein, parce que, tu sais, j'irai où tous les potirons. Hein, si, c'est ça. De pot, P-O-T, hein, des potes, ça trinque. Comme les compagnons partagent le pain. Petit B, du poteau, un pote qui quelqu'un... Qui, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et petit C de potin, le pote est celui avec qui on aime faire des cancans. Alors, vous répondez à ça, hein? Soit petit A, soit petit B, soit petit C. Je me suis marrée parce que pour la réponse du cornichon, oui, c'était le cornichon. Il y a une des abonnées qui a mis ses réponses B, NJ, c'est mon dernier mot. J'aime bien moi ce jeu-là. J'adore. Qui veut gagner des millions, si. Mais là, si vous répondez bien, vous gagnez que dalle. Hein. Non, vous gagnez que dalle. Je suis désolée. Alors réponse A, réponse B, réponse C. Et ce sera votre dernier mot. C'est ça. Alors donc voilà, vous faites ça puis vous êtes content. Moi j'ai une idée. Je vais regarder là. J'ai une idée, mais je vous la dirai pas. Hein. Vous n'avez pas copié sur moi. Attendez. Hein. Si, vous savez, quand on était à l'école, enfin moi je faisais pas ça parce que personne copiait sur moi, j'étais nulle. Mais vous savez, les bons élèves, là, les très bons élèves, qui voulaient pas qu'on copie sur eux. Hein. Et alors ils mettaient leurs mains comme ça, et puis si, si, ils faisaient ça pour pas qu'on copie sur eux. Hein. C'est pas des potes, ça c'est pas des potes, hein. Non, c'est pas des potes, hein. Mais enfin bon. Et alors, j'avais dit, ah bah ouais, j'ai raison, j'ai la bonne réponse, mais ça c'est grâce aux chansons. Si, c'est grâce aux chansons. Ouais, et j'étais sûre que ça venait de là, grâce à un chanteur. Vous avez compris? Si. Alors, de quel chanteur je parle? Et quelle est la réponse? Vous avez compris? Alors donc, voilà, je suis très heureuse de, qu'est-ce que ça instruit les chansons? Si, ça instruit, hein. Alors, l'enfance, ah ben ça j'ai pas, l'enfance de l'argot. Serez-vous capable de citer au moins 2 minutes 10 synonymes familiers de moutard? Oh bon. En combien de temps? En moins de 2 minutes de moutard, hein, mouflé, marmot, non, je suis pas capable, je crois. Hein? Pisseux, pisseuse. Qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Ah oui, c'était tout mignon. Eh, c'était tout mignon. Hein. Oui, c'était tout mignon. Eh. Ah, bah, alors là, ça je ne connaissais pas celui-là. J'ai le droit de rien vous dire. Hein. Vous avez qu'à citer des synonymes de familier, hein, de moutard. Alors, pas le masculin de moutarde. Hein, parce qu'il y a... Non, ce n'est pas le masculin de moutarde. Le moutard, c'est un mioche. J'ai dit mioche, mais il n'y est même pas dans les réponses. Non, il n'y est pas dans les réponses. Hein. Ni pisseux, ni pisseuse. Non. Il faut en trouver d'autres. Voilà, c'est ça.
Ah là, vous avez compris, amusez-vous à faire ça, et puis ça passe 5 minutes, hein, avec les enfants, la famille, tout ça, vous vous amusez, hein, mais si, c'est rigolo, oh là là. C'est la Sainte-Vige, ça c'était une tante à moi, ça. Enfin, c'est sûrement encore ma tante, hein. Alors pas la tante de camping, hein. Non, bah je donne pas de nom à mes... On pourrait donner des noms à ces meubles et à ces articles, hein. On fait ce qu'on veut, vous savez. Tiens, aujourd'hui j'ai mis Robert et Charles, mais on fait ce qu'on veut, hein. Non, alors là, Edwige, ma tante, c'est pas la tante, non, pas la toile de tante. Hein. Non, Edwige, c'est le nom de, c'est un prénom, hein, féminin. Et alors, j'ai une tante qui s'appelle comme ça. Hein. Alors, je la connais pas. Enfin, je la connais que de prénom, quoi. Si. Ben, c'est toujours pas mal. Oh, je connais, je sais pas si je connais les 13, 13 prénoms. Faudrait que j'écrive comme ça pour savoir, hein, si je me rappelle de leur prénom. Je ne suis pas sûre, hein, j'ai les 13. Non, je ne crois pas que j'ai les 13 comme ça en tête. Enfin bref, on s'en fout de toute façon. Ange gardien du jour, Mitzael. Ange gardien anniversaire, Ahahel. Et alors, je ne sais pas si je prononce bien, ça m'étonnerait. Hein. Ouais, c'est pas la peine de vous moquer de moi, attention. Hein. Le vin de Saint-Gall n'est jamais un régal. Bah non, la gueule, moi j'aimerais pas l'avoir, la gueule. Hein. Joyeux anniversaire à Chante. Ah tiens, j'ai pas souhaité les anniversaires. Ah ben non, c'est pas encore. Oui, ben je le ferai tout à l'heure, c'est pas grave. Chantal Doué et Aurélie Ribeiro, hein, c'est de la HHH 100. Hein. Aurélie, hein, j'entends. Enfin, j'entends. Vous avez compris, hein? Alors, bon anniversaire à toutes les deux, on vous fait tout plein de gros bisous. Ensuite, un artisan boulanger responsable, le 16 octobre, découvrez les astuces d'un professionnel, Eric Kaiser. Hit me. Alors, journée mondiale de l'alimentation, hein, et de la lutte anti-gaspillage. Hein. Ah, moi, je mange. Non, enfin, ouais, je sais, je suis parfaite, c'est pas ma faute. Hein. Non, moi, je mange tout, même ce qui est périmé. Hein. J'ai travaillé dans l'alimentaire pendant des années, des années, des années. Et alors, je mangeais tout ce qui était périmé et regardez hein, le résultat. Hein. Je dis toujours que ça nous immunise. Non, c'est parce que c'est pas périmé, c'est parce qu'il faut que ça. Faut, hein, on dit faut produire, faut produire, faut produire, faut produire. Hein. Faut que les gens ils achètent. Faut que... Alors, il y a beaucoup de gaspillage, c'est vrai. Hein, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, même s'il y a des dons aux Emmaüs, enfin aux Emmaüs, mais n'importe quoi, hein, aux Restos du Cœur, je mélange tout. Les Restos du Cœur, les machins, les associations. Ici, il y en a beaucoup des associations pour aider à manger les gens. Non, à faire manger les gens. Non, on mange pas les gens encore, mais ça ne serait tardé si on n'a plus les moyens. Donc voilà, et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, que comment dirais-je, je mange les périmés depuis des années-lumière. Hein. Bon. Bon, enfin, des années-lumière, c'est peut-être exagéré, mais puis voilà quoi. J'ai même jamais chopé un bouton ou un malade, enfin rien du tout quoi. Bon, évidemment, quand c'est moisi, vous ne le mangez pas. Ou quand il y a des asticots, il faut aimer les protéines. Faut aimer. Moi, j'aime pas trop. Hein. Je vous avais raconté l'histoire du poulet rôti que j'avais laissé dans le four. Hein, si je vous l'avais raconté. Hein. Non. Alors, donc, du coup, maintenant, bon, voilà quoi. Et, mais voilà, hein, on est très content. Bah, c'est vrai que gaspiller, même le pain, moi je mange tout, 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 je garde tout. Hein. De toute façon, le pain, même le pain dur, hein, on fait de la chapelure avec, on fait. Moi, je nourris les oiseaux, les canards. Hein. J'ai le droit, hein, c'est ce que je veux. Non, mais dites donc. Alors, donc, normalement, on ne devrait pas gaspiller de nourriture. C'est ça qui me choque. Ça me choque, hein, des fois, si, ça me choque. Hein. Je comprends pas. Hein, je comprends pas. Avec, on dit qu'on manque d'argent, qu'on n'a pas de sous, machin, tout ça, mais on jette plein de bouffe. Je donne de leçons à personne. Attention, attention, attention. Hein, ouh là 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 là. On va dire, ouais, Angie, elle donne des leçons, machin. Non, j'en ai rien à foutre. Je dis toujours que de toute façon, la marchandise, vous l'avez payée. Donc, en réalité, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez l'acheter, la mettre directement dans la poubelle, vous avez le droit. C'est votre argent. Hein. Donc, voilà quoi. Journée mondiale de la colonne vertébrale. C'est très intéressant. Ça, mais c'est la journée mondiale aussi du pain. Alors, je viens d'en parler du pain. Hein. Bah, en même temps, ça va avec la journée mondiale de l'alimentation et de la lutte anti-gaspillage. Hein. Le pain perdu, tout ça, c'est vachement bon. Hein. Enfin, faut le retrouver, c'est ça le problème pour le faire. Faut le retrouver. Mais bon, c'est très bon le pain perdu, j'adore ça, moi. Fondation du sanctuaire Mont-Saint-Michel. Et alors, exécution de Marie-Antoinette, la pauvre. Bah oui, la pauvre, la pauvre. Bon, bah demain, c'est une autre journée. À combien de minutes? 10 minutes. Non, mais ce que je parle beaucoup, c'est parce que déjà, j'ai le droit, hein, c'est ce que je veux. Mais c'est surtout qu'on va faire une petite cartounette qui va pas mettre longtemps. Donc, bon, bah voilà, quoi. Hein, vous avez compris.
Alors aujourd'hui, un truc bien à savoir. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Juste un moment d'un petit coup de pompe. Non, juste. Oh, je sais pas lire. Hein. Non, je sais pas lire. Hein. Oh, juste au moment d'un petit coup de pompe, retrouver au fond de sa poche le carré de chocolat offert au café. Hein. Ouais, bah vous faites ça, mais faut aller au café, il faut boire un café, faut avoir un chocolat d'offert. Ça se fait encore ça, les chocolats offerts avec le café, par les temps qui courent? Je sais pas. Hein. Ça fait bien longtemps. Ouais, ça fait bien longtemps que j'ai pas été boire un café au bistrot, ça coûte hyper cher. Elle est radine là. Bah, je suis radine, moi, attention, je suis radine. Mais un café, un chocolat offert au café. Ouais, bah vous trouvez ça dans votre poche, il est tout fondu. Et puis vous êtes content. Hein. Bah, vous le mangez, puis c'est tout. Vous êtes bien, bien, bien. Hein. Ah oui, c'est vrai que Sevran, il est quand même mort depuis 2008. Hein. Faudrait peut-être que je me réveille. Hein. Ouais. La chance, chanson. La France a raison. Oui, je sais. Donc voilà. Hein. Au fond du café. Elle écrase sa cigarette et repousse le cendrier. Parce que ça me fait penser à Eddie Mitchell avec le café noir là. Tu me prépares un café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien. Ouais, je suis déjà pas un saint. Oh, je t'avais pas promis mes plus belles années. Elles sont loin derrière moi, mais elles passent et c'est le passé. L'important aujourd'hui pour moi, c'est ton bonheur. Mais je le vois mal parti avec cet oiseau de malheur. Oh, tu me prépares un café noir. Tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien. Et je suis déjà pas un saint. J'adore Eddie Mitchell. Mais j'adore, hein. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les rôles que j'aimais. Alors donc, on n'est plus grand le matin que le soir. Bah, ça, vous le saurez maintenant. On n'est plus grand le matin que le soir. Hein, les disques entre nos vertèbres. Hein, c'est pour ça que je chante toute la journée, moi. Bah, j'ai des disques dans les vertèbres. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute si j'ai des disques et puis ils tournent. Ils tournent. Alors, se compressant progressivement au cours de la journée. Et puis à la fin de la journée, pouf, on est sur les rotules. Hein. Voilà pourquoi on chante. Hein. Parce qu'on a des disques dans nos vertèbres. Voilà. Enfin voilà, ça se compresse, et puis voilà quoi. C'est bah si. Bah, voilà. Vous êtes content de savoir ça. Allez, bon alors donc, on est. Alors, je dirais. Je le dirai ou pas. Hein. Si, je le dirai. Je le dirai qu'à la 14e minute, nous faisons une petite cartounette avec nos chutes. Alors, pour ce. Et les trucs que vous m'offrez, mais ça, bon, je mettrai avec des chutes, quoi. Alors, pour ce faire, vous savez, tout simple, hein, histoire de dire, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Alors, pour ce faire, je vais prendre. J'ai trouvé des chutes, là, des machins, des trucs. Alors, mais pas que des chutes, hein, bien sûr. J'ai trouvé ça, ça. J'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça. Je vais. Parce qu'hier, c'était bleu, aujourd'hui, c'est rose. Hier, les garçons, hein, et aujourd'hui, les filles. Hein. C'est normal, hein, chacun son tour. Hein. Donc, aujourd'hui, ça sera le rose. J'ai le droit de toute façon, hein. C'est très joli le rose. Et alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, hein. Alors, ce qui s'appelle pas du tout. C'est bon. Alors avant, parce que ça c'est très beau, je voulais utiliser cette feuille-là, c'est pas d'où je le sors, c'est vous qui me l'avez envoyé, sûrement, hein. Sûrement, sûrement. Et ça aussi c'est très joli, ça c'est une patouille sur papier photo, c'est très beau aussi. Et alors, j'en sais rien. Je vais utiliser ça, ça. Je vais utiliser. Je sais pas du tout. Non. J'ai envie de faire alors. Et puis alors, on m'avait fait un joli sentiment comme ça. Je sais pas qui m'a fait tout ça. Hein. Ça, la Big Love. Hein. Ben, c'est très joli. Hein. Voilà, comme ça. Et ça va bien avec le rose. Il y a du rose dedans. Il y a un cœur et tout ça. C'est très joli. Hein. Alors, je vais faire une cartounette comme ça, histoire de dire. Ça, c'est quoi? C'est beau aussi. Hein. Comme ça, regardez, ça va bien. Hein.
Oui, ça va bien. Et là, l'autre côté, j'aime moins. Ah, quoique, c'est beau aussi. Vous cherchez des chutes qui vont ensemble. Ah, enfin, voilà. Moi, j'avais envie de travailler du craft comme ça, c'est sympa. Et puis, alors, on m'a fait un joli rouleau comme ça, c'est très beau. Et je vais m'en servir, justement. Je trouve que ça va bien avec tout ça. Je vais faire ça, moi. Voilà, je vais faire ça, ça. On fait une petite cartounette comme ça, on fait ce qu'on veut. Allez, hop. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? J'en sais rien. Je ne sais pas, hein. Du tout, non, j'en sais rien. Ça sera une base que j'ai retrouvée. Mais alors, c'est les bases de. Elles sont. C'est des bases. Faites à l'arrache de chez Action. Hein. Enfin, de chez Bredoux d'ailleurs. Ouais. C'est pas moi qui les ai faites. Hein. Non, non, non. C'est des bases toutes prêtes, mais un peu toutes pourries, hein, je trouve. Hein. Alors, un peu toutes pourries. Donc, déjà, je prends une base. C'est la récup, hein, vous voyez, elle est pourrie. Si, enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, je vais prendre ça. Hein. Je travaille avec ce qui traîne là dans mon bureau, par là. Hein. Ça, c'est très beau. Hein. Ça, je sais avec quoi je vais l'utiliser. Hein. Ah, c'est très joli. Ça, c'est une patouille de Michel Scrap. Hein. C'est signé derrière. Si, c'est signé. Alors, à 14e minute, j'ai toujours pas commencé. J'avais dit que je commençais. Non, vous cherchez vos couches. Vous cherchez vos chutes. N'importe quoi, ça n'a rien à voir avec les couches, hein. Strictement rien à voir. Hein. Je sais pas ce qui m'arrive, non, je dis n'importe quoi, hein. Ça change pas beaucoup. Mais et maintenant, je vais mater avec ce papier-là que je vais récupérer. Je l'aime beaucoup, il est très beau et ça va très bien le scratch, le craft, le craft avec le rose, c'est très très beau. Donc je vais faire ça, moi. Ça fait 10. Ça va faire une toute petite cartounette. 10 sur 14,5, elle fait la carte. Alors, je vais faire 9,5. 9,5 sur 14. Allez, 9,5 sur 14. Hop là. 9,5 sur 14. Hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne sais pas, je fais ça. Hein. C'est pour dire 9,5, pouf, sur 14. Ça, je vais le garder. Hein. Ça va me servir pour faire une autre carte. Hein. 9,5 sur 14. Allez. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais mater. Enfin, je vais mater, comme ceci. Hein. Mais avant de mater, je vais m'amuser. J'ai le droit de m'amuser, vous savez. Je vais m'amuser à faire une espèce de petit carnet. Alors, j'ai dit que j'allais mettre ce sentiment-là, comme ça. Vous faites un sentiment, vous débrouillez. Moi, j'en ai un tout près, hein, mais vous en faites un ou pas. Hein. Mettez un joli embellissement, hein, n'importe quoi, ce que vous voulez. Hein. Je vais faire ça et là, je ne sais pas ce que je vais faire, j'en sais rien, je sais pas, je dis n'importe, je sais pas du tout. Tiens, je vais faire ça, un petit carnet. On va intégrer un petit carnet de notes. On fait ce qu'on veut, regardez, c'est une chute ça. Et ça va bien avec, regardez. Alors là, je vais couper, là, disons, je me fie à mon sentiment là, en craft. Et là, il me reste sur mon matage là, il me reste entre le sentiment et le haut du matage, il me reste 7,5 cm. Alors, je vais faire des petits trucs là de 6. Enfin, de 7,5. Enfin, 7. Allez, 7. 7 cm. Je laisse la largeur. Là, je vais faire 7. Regardez. Oh, ça va être tout mignon. Hein. Regardez. Hop. Une fois. Deux fois. Donc, ça utilise mes chutes. Deux fois. Ça ne sert à rien de faire ça, je vous préviens. Mais on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Et 7 fois. 3 fois. 7 fois. 3 fois. C'est ça. Hein, on est content, on fait ça, on est très content. Voilà, hein, on va faire ça. Ensuite, sur les trois, là, j'en ai que trois. Hein, j'ai utilisé une bande, ça suffira bien, c'est juste pour faire... Mais si, c'était tout mignon. Et là, je vais faire un petit pli, là. Un petit pli à je sais pas, à 1,5. Il va pas rester grand-chose, mais on s'en fout. À 1,5, je fais un pli. Alors, je fais un pli juste sur les trois en même temps, mais ça va pas faire un pli sur les trois en même temps, c'est pas grave. Alors, hop. Un petit pli là, hein, on fait ça et là on a un petit pli, hop, regardez, hop, hop, on est content, voilà, regardez, ça va être tout mignon, c'est juste un petit truc comme ça, on fait ce qu'on veut, donc ça on sait que ça va en dessous, hein. Ah, là, et eh bien je vais le mettre au milieu là, comme ceci là, je le centre hein, à peu près, enfin à peu près, non pas à peu près, je centre, hein. Et là je prends une perforatrice et je voulais tout perforer, alors je voulais, le problème c'est que je voulais, ah ben voilà, je vais le faire en... Je vais faire 4 trous là. Je fais ce que je veux. Hein. J'ai envie de tout trouer là. J'ai envie de faire des trous. J'ai le droit de faire. J'aime bien faire des trous moi. Alors je vais faire 4 trous là. Un trou là. Un trou là. Regardez. C'est joli. Hein. Alors vous pouvez les faire en hauteur. Moi je les fais là parallèle. Enfin côte à côte parce que j'ai pas la place de les faire. Enfin je trouve. Enfin vous avez. Enfin. Oui, bon. C'est ce que vous voulez. Moi, je fais ça. J'ai le droit de faire ce que je veux. De toute façon, un trou, deux trous. Allez, hop.
côte à côte, comme ça, regardez, c'est très très beau, hein. C'est tellement magnifique, hein. Mais faire ça, moi, ça m'amuse beaucoup, hein. Et alors là, je vais les attacher avec des petits rubans tout mignon mignon, hein. C'est ce que je veux, du rose, j'ai envie de rose, j'ai envie de rose, hein. Alors, je vais relier mon petit carnet, enfin mon petit carnet, c'est même pas un carnet, c'est juste pour des petits messages secrets, hein. C'est ça, n'importe quoi, enfin, donc là, je vais en mettre un là. Alors, j'en ai 15 mètres, hein, mais je ne coupe pas tout de suite parce que je veux faire des jolis petits nœuds. Alors, vous pourriez faire un thème Halloween avec ça, hein. Par exemple, vous mettez un petit carnet noir, là. J'en suis toujours avec mon grimoire et mes recettes horribles, hein, bave de crapaud. Et, enfin, moi, je ne suis pas très originale. Hein, non, la bave de crapaud, je ne sais pas. Hein, un fil d'araignée tic-tic-tic, par exemple. Si, un fil d'araignée tic-tic-tic avec une griffe de souris, de souris écrasée, hein. Et puis, je ne sais pas, vous faites des recettes là-dessus, des recettes, hein, sur du papier noir avec du mauve. Parce que l'orange, hein. Les oranges, moi, je les aime bien les manger, hein, mais faire des créations avec du orange, voilà quoi. Hein. À part les citrouilles, les couleurs d'automne, j'aime bien, mais pour Halloween, j'aime pas trop le orange, moi. Je préfère mettre du mauve, du noir, du gris. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Chacun ses goûts, hein, bien sûr. Hein. Mais l'orange, j'aime bien le garder pour les thèmes de l'automne, moi. Ou du printemps, enfin du printemps. Les oranges, c'est pas le printemps. Les agrumes, c'est l'hiver que ça se récolte. Hein. Mais j'aime bien pour les, voilà, des cocktails, des machins, l'orange, ça me fait... Moi, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. Ça m'énerve. J'en ai pas pris assez long, j'aurais dû en prendre plus long. Je vais mettre 15 jours à accrocher mon petit carnet, ouais. Vous avez compris, quoi. Hop là, c'est, j'ai réussi, hein, au bout de 15 jours. Voilà. Ouais, c'était tout mignon. C'était tout mignon. Oh là là, regardez, c'était. Ah, c'est bien ça. Hein. C'est, regardez, c'était trop mignon. Hein. Oui, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, je sais bien. J'ai le droit de m'extasier sur un petit nœud, hein, de toute façon. Bah si, j'ai le droit. Hop, regardez, hein, je coupe là. Vous avez vu, regardez comme je coupe bien. Regardez. Regardez-moi ça. Hein, en biais, je biaise. Hein. Je biaise. Hein. Voilà, regardez, un petit nœud. Alors, on peut mettre des petits nœuds de toutes les couleurs. Hein. Pourquoi pas? On pourrait mettre des petits nœuds là. On pourrait faire encore un nœud là, hein, pour faire trois nœuds. Hein. On fait autant de nœuds qu'on veut. C'est une tête de nœud. Faites une tête de nœud. Et puis, c'est tout. Hein. On fait ce qu'on veut, de toute façon. Alors, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est tellement joli. Hein. C'est tellement joli, tellement joli. Ça, ça aurait pu être le sujet d'un sketch, ça. Si, ça aurait pu être un sketch. Alors voilà, bon bah finalement je vais retirer, on le fera jeudi ça. On disait que c'était le sketch. Hop, voilà. Comme ceci, hein, vous faites des petits nœuds. Hein. Je suis douée pour faire les nœuds, ça fait peur. Hein. Enfin, on disait que j'étais très douée. Regardez, hop là, oh là là. C'est tellement joli, hein. C'est romantique, c'est d'une douceur. Hop là. Alors, ce nœud-là, il est mal foutu. Hein. Regardez. Hop, voilà. C'est très adorable. Vraiment, c'est tout mignon, mignon. Hein. Voilà. Regardez. Hein. Je vous montre quand je fais quelque chose. Hein. Et donc là, on a un petit truc. On pourrait mettre, alors, on peut mettre des mini-photos. Regardez, toute petite photo, toute mignonne. On peut mettre des petites photos, recto-verso. On peut mettre des petits sentiments, on peut mettre des petits stickers, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, c'était tout adorable. Ensuite, là, j'ai dit que j'allais mettre mon sentiment comme ça, regardez. Hein, regardez, c'est très beau, j'ai rien à faire, on me l'a fait, on me l'a fait, on me l'a fait. Hein. Alors, je vais faire ça, moi, comme ça, regardez, c'est très joli. Hein. Et alors, je voulais y intégrer du joli ruban qu'on m'avait offert, là, ça, là, c'est très beau, ça, hein. C'est très beau. Alors, je voulais intégrer de ça, moi. C'est ce que je veux aussi. Alors, si j'intègre ça comme ça, par exemple, et que je mets ça comme ça, c'est très joli, regardez. Hein, si, je vais faire ça, je vais le faire. Comme ça, hop. C'est trop charmant. Hein. Voilà, je vais faire ça, moi. Alors, oh là là. J'ai mal partout. J'ai mal, j'ai mal. Ça, je suivrai sur autre chose. Là. Je vais mettre du double face, peut-être. Hein. Enfin, peut-être. Non, c'est sûr, d'ailleurs. Je vais couper juste ce qu'il faut. Je n'ai pas encore fixé ça. Il faut que je le fixe. Hein. Bien sûr, je vais le fixer. Regardez.
Il y avait une abonnée qui m'avait demandé à quoi ça servait de faire des bandes comme ça de des rouleaux. Vous savez que les chutes de papier, tout ça, j'en ai là. J'en ai que vous m'avez fait en vert et en beige. Hein. Donc il y a plein. Vous voyez, vous faites des. Vous récupérez toutes vos chutes. On m'avait fait ça aussi. J'ai hésité encore. Mais je vais l'utiliser, bien sûr. Hein. De toute façon, j'utiliserai tout, hein, mais il faut du temps, quoi. Il faut du temps, il faut. C'est voilà quoi. C'est pas le tout de. C'est que voilà. Alors, vous voyez toutes ces choses-là, là, toutes ces choses-là, quand vous utilisez vos chutes et vous les reliez comme ça à la couture et tout ça, elle m'avait dit à quoi ça sert. À quoi ça sert? Ben, ça sert à rien, ça sert à passer le temps à utiliser ces chutes. Et bien, ça sert, tu vois, quand tu veux faire une petite carte comme ça, justement, et bien tu prends tu prends un petit bout de ton rouleau et puis tu le colles comme ça sur ton base de carte, sur ton base de carte, hein, suivant les couleurs que tu fais. Regarde, là, ça va bien, le craft avec. Tu fais ça et puis tu colles ton sentiment dessus ou un die cut ou un je sais pas quoi, moi n'importe quoi, ce qu'on veut. Voilà à quoi ça sert. Hein. Voilà, ça sert à ça. Hein. Bon, hein. Après, on peut faire d'autres choses, hein, mais ouais, ça permet d'utiliser ces chutes et de faire des jolies petites créations toutes mignonnes, toutes mignonnes. T'as compris quoi. Allez, mais après, je vais aller au boulot, moi. Si, je vais aller au boulot. Hein. Je suis fatiguée, hein, mais bon, faut que j'y aille quand même. Allez, je colle ça comme ça là. Je vais laisser apparaître un petit peu de rose en dessous. Hein, parce que je veux qu'on voit cette jolie base de carte. Comment envoyer que je ne sais même pas qui c'est, mais c'est pas grave. Et là, par-dessus, je vais mettre ce joli sentiment. C'est trop joli. Hein. Alors, comme ça, je vais faire là, comme ça là. Voilà. Hop. Oui, je sais, je ne fais rien d'extraordinaire, mais c'est très beau hein, avec vos choses. Hein. Alors, ça, je vais le mettre comme ça là. Je n'ai pas besoin de le coller tellement, tellement. Hein. Voilà, utilisez vos chutes pour faire des petites cartes album comme ça, des petites cartes. Bah, des petites cartes quoi. Hein. Puis ça détend. Oui, ça détend. Hein. Ça détend. Vous faites des trucs comme ça sans réfléchir trop. Enfin, sans réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, il n'y a pas besoin de réfléchir pour faire ça. Vous prenez ce que vous avez sur votre bureau, vous rassemblez des trucs comme ça, puis vous débrouillez, vous faites une carte avec. Puis voilà. Puis on est content, content, content. Hein. Là, je vais mettre juste en dessous. Hein. Là, regardez. C'est trop mignon. Hein. Si, c'est trop mignon. Et puis là, je vais coller donc ma base maintenant. Comme c'est une carte. Et là, je le changerai. Enfin, je veux dire, le but étant pas de le changer. Hein. Enfin, j'ai pas. Je vais pas mettre de colle là. Je vais pas mettre de colle. Comme ça, je vais juste coller comme ça sur les côtés. Comme ça, si la personne, ma foi, elle veut changer de papier ou je sais pas, on sait rien. Tout est possible. Hein. Ouais, voilà, je vais pas coller. Je vais mettre en 3D. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que c'est bien, c'est tout. Vous en pensez que c'est une merveilleuse idée? Ben si. Je vais mettre en 3D, pourquoi pas. Hein. De chaque côté, comme ça, du petit neuneu. En haut et en bas. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, je vais faire ça. À gauche et à droite, comme cela. Hein, comme ça, si j'ai envie de mettre un autre truc, ça doit être possible, on peut. Hein. Parce que le ruban, là, il y a juste à défaire le petit nœud et puis à remettre des feuilles de papier. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris? Là, si on veut, si les papiers, là, ce qu'il y a dessus, on veut le récupérer, admettons, c'est des photos pour mettre dans un album. Et ben, on défait les petits nœuds, là, et hop, et on en remet d'autres, puisque les. Vous avez compris? On peut recharger le petit carnet, hein, comme ça. Alors, je mets en 3D, là. Ah, oh, c'était tout mignon, hein. Je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi. Mais je suis très fière de moi. Hein. Voilà. Comme ça, je ne colle pas, vous avez compris. Mais moi, je pourrais les coller, mais bon. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Regardez-moi ça, si c'est pas adorable. Voilà. Hein, donc, je vous dis que là, hein, vous avez compris, si vous voulez recharger, vous défaites les petits nœuds et puis vous rechargez. Hein. Voilà. Vous avez compris. C'est pas. Et puis voilà, on est très heureux. On pourrait mettre, si, on est très heureux. On pourrait mettre un petit embellissement, un petit hérisson. Mais si je mettais un petit truc, un petit tout mignon. Tu mets un petit truc là comme ça. C'est vous qui m'avez envoyé ça aussi. Regardez, petit écureuil. Oh, t'es trop mignon. Mais si, j'ai le droit de mettre le petit écureuil. Hein. Je fais ce que je veux de toute façon. Puis comme ça, on soulève. Ou alors on le fait tenir par la queue et comme ça la queue soulève les feuilles. Qu'est-ce qu'on fait? Et la tête, et la tête, et la queue, ah, 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 ah,
Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Et comme ça, pouf, c'est l'écureuil qui soulève les feuilles. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? J'ai envie de mettre l'écureuil, moi. J'ai le droit, j'ai envie de mettre l'écureuil. Je fais ce que je veux, de toute façon. Et ici, toi. Ou alors le nérisson. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On met le nérisson, on met l'écureuil. De toute façon, je mets quelque chose. Hein. Je vais le mettre lui, là. Hein, monsieur, on disait qu'on était content. Hein. Et si je le mettais de ce côté-là? Non, je vais mettre de ce côté-là, c'est mieux, c'est plus logique, non? Bon, je sais pas s'il y a une logique. Je sais pas s'il y a une logique. Ça n'existe pas, un écureuil qui machine par la queue. Et la queue, et la queue, et la queue, et la queue. Ah. Je réfléchis, j'ai le droit. Hein. Moi, je vais mettre. Je vais me mettre là comme ça. En dehors de, en dehors des clous, hein, en dehors de la feuille. Et puis il disait un message, là, il disait un truc. Il disait bonjour toi, par exemple. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je vais me mettre un petit peu, juste un tout petit peu de. Comme ça, si je change d'avis, je le vire. Parce qu'il est possible qu'il gicle, là. Bon, l'écureuil, ça saute de branche en branche. Hein. Et alors, il peut très bien se barrer. Hein. Je le mets là, mais c'est pas sûr qu'il reste. Non, si. Bon, on verra bien. Je le mets là. Hein. On disait qu'il était là, qu'il était très content pour l'instant, mais qu'il n'est peut-être pas à y rester. Hein, regardez, c'est trop mignon. Hein. Et hop, et donc, vous soulevez avec sa queue, pouf, la première page. Hein. Et il tombe. Il est tombé. Il est tombé. Il colle pas. Hein. Il veut pas être là. Hein. Bon. Tu vas rester là, puis c'est tout. Non, mais dis donc. Non, mais c'est vrai, c'est pas lui qui commande. On fait ça, et puis on est content. Oh, une jolie plume, là. Tiens, les... qu'est-ce qu'elle fait là, hein? Oh, regardez. Oui, c'est tout mignon. Oui, c'est tout mignon. J'ai le droit de mettre une plume. Hein. Elle est là, elle est là. Hein. Vous trouvez que ça va bien? Si, vous dites. Attends, on lui met une plume. On lui met une plume au derche. Si, on a le droit d'y mettre une plume au derche. Hein. Regarde, hop là. Regardez, oh, regardez, c'est joli. C'est très, très beau. Hein. C'est tellement magnifique. Hein. Et alors. Et alors, on peut mettre un œil là. Un œil qui regarde. Un œil. Qui... Les roses, ça va bien avec, regardez. Si je mettais un œil là, c'est bien aussi. Hein. Je ne sais que mettre. Je ne sais que mettre. Alors, je vais mettre un petit strass comme ceci là. Hein. C'est les bleus, mais je vais prendre une petite comme ça, demi-perle un peu blanche nacrée. C'est très beau. On disait qu'il mangeait un. Il a le droit de manger des perles. Hein. Non, je vais. Non, oui, d'accord. Ok, d'accord. Non, je mets là. Hein. Ça manquait. Si, ça manquait. Hein. Et puis voilà, on était tout contents. Hein. Puis on était tout content, content. Hein. Allez, ça suffit. Hein. C'est bien, point trop n'en faut, point trop n'en faut. C'est très adorable. Très, très adorable. Hein. Et alors, à l'intérieur, on peut mettre son copain l'hérisson, hein, par exemple. Hein. Comme ça, je l'enverrai à quelqu'un. Ça sera tout content. Hein. Je le mets comme ça. Hein. Voilà. Là, je vais le mettre là. Le petit hérisson. Il était un petit hérisson qui cherchait son ami, le petit écureuil. Mais où t'es-tu, écureuil? N'importe quoi. Complètement frappadingue. Hop là. Et voilà, le petit hérisson, il était là. Hein. Et voilà, ils ont le droit de se causer. Hein. Regardez. Et voilà. Hein, c'est bien comme ça. Vous mettez des petites choses à l'intérieur, des petits messages, des petits trucs tout mignon, mignon, hein, tout simple. Hein. Et puis là, on peut mettre autre chose encore. Hein. On peut charger, 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 charger. C'est très adorable. Hein, avec des petites chutes. Hein. Vous voyez, on fait vite fait un petit truc tout mignon. Hein. Bon, là, moi, c'est pas moi qui les ai fait avec les chutes là. Mais là, c'est des petites chutes, hein, les accolés les uns sur les autres. Et puis, vous voyez, vous mettez une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Hein. Pouf, pouf. Puis vous faites un petit embellissement. Hein. Regardez, c'est vite fait. Hein. Bon, là, moi, j'ai mis le petit écureuil. Il était tout mignon, hein. Bah, si, il était tout mignon, mignon, hein. Il dit que c'est avec Big Love, hein. Beaucoup d'amour, hein. Un grand amour, hein. Et voilà, hein. C'est joli, le rose. Vous dites que c'est beau, hein. Qu'est-ce que ça fera? Ça me fera plaisir. C'est ça. Et puis, voilà, ça suffira pour aujourd'hui. Je voulais mettre... Non, ça suffit, non. On se calme, on se calme. Non, on peut mettre de la dentelle, comme ça, là. En plein... Là, comme ça, là, hein. Non, oui, je sais, c'est n'importe quoi. Oui, je sais, je suis en train de craquer. Si je craque. Voilà, amusez-vous à faire des petites cartounettes comme ça, mini, je sais pas quoi, mini. On pourrait dire mini, mini, mini. C'est trop adorable, c'est trop adorable. Hein, vous faites des petites cartes comme ça, avec vos chutes, hein. Voilà. Et puis des petites chutes de papier, des petites chutes de ruban, des petits. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, hein. Prenez soin de vous, hein. Et alors.
Et si vous prenez soin de vous, eh bien, on pourra se retrouver demain. Ah si, voilà. Allez, à bientôt, ciao.